Que Dieu vous bénisse, donc de la porte de Bruxelles dans notre émission. Eh bien, le lion de Juda rugit. Dans notre chaîne de TV vidéo Todd Chanel, eh bien, nous vous recevons, vous qui écoutez eh bien, cette parole, ce message au travers du monde entier, eh bien, nous vous saluons eh bien, de la part du Bishop Claudio Agostini, moi-même, et toute notre équipe de Todd Chanel, que Dieu vous bénisse. Oui, le lion de Juda rugit. Et le thème de cette émission est un nouveau gouvernement spirituel se met en place pour 2014. En effet, alors que nous venons d'assister à des élections européennes, eh bien, nous avons assisté à des changements, à des surprises, à des choses qui sont en train de bouleverser toute la politique européenne. Mais j'aimerais vous dire que ce qui s'est passé au niveau politique, eh bien, est une image de ce qui est en train de se passer spirituellement. En effet, Dieu voit ce gouvernement spirituel, Dieu voit l'Église dans son état général, et Dieu a décidé que cela change. En effet, nous sommes comme du temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'autorité sur les villes, sur les pays, sur des continents, sur Bruxelles, la capitale de l'Europe. Et si c'est vrai qu'il y a plus d'une dizaine d'années, nous avons connu des choses, et bien depuis 3-4 ans, un désastre, des divisions, eh bien, se sont installées et le gouvernement est parti. Et Dieu veut remettre en mai 2014 un nouveau gouvernement spirituel. Ézéchiel 44 est très clair. Dieu sanctionne la maison d'Élie pour valoriser, faire sortir eh bien, les fils de Sadoc qui sont restés fidèles, qui sont restés intègre eh bien, devant l'Éternel des armées. Pour créer ce nouveau gouvernement, eh bien, Dieu juge. D'abord, Dieu juge des nations, Dieu juge des villes, Dieu juge certains ministères. De la même manière que Vatchi a été destitué, Dieu destitue. De la même manière que Absalom, qui a voulu usurper des autorités, prendre des gloires qui ne leur avaient pas été réservées, Dieu a sanctionné Absalom de la même manière que la maison d'Élie. Oui, Dieu est en train de juger de la même manière que du temps du prophète Daniel. Eh bien, cette main est apparue. Peser, compter, diviser. Oui, Dieu juge. Dieu veut quelque chose de nouveau. Dieu est en train de préparer un nouveau gouvernement spirituel. Il juge. Mais aussi, il est en train de rassembler. Rassembler ses oints, rassembler ses élus, rassembler ses appelés, rassembler ce qu'il a choisi de toute éternité. Pour cela, des quatre coins du monde, Dieu est en train de rassembler ses apôtres, ses prophètes, des quatre coins du monde, parce qu'il a décidé que c'en était assez. Oui, le lion de Juda rugit. Et de la porte de Bruxelles, je proclame, je déclare, je prophétise qu'un nouveau gouvernement spirituel prend place. Toi qui écoutes ce message, là où tu te trouves, Dieu te dit, sois dans la joie. Dieu place quelque chose, eh bien, de nouveau. Il ne laissera plus, n'est-ce pas, les impies, les injustes, les infidèles régner. Il y a des jugements, il y a des tris qui sont en train de se faire, des sélections. Oui, il y a une grande différence entre ceux qui ont été oints par la fiole d'huile et ceux qui ont été oints par la corne d'huile. La fiole d'huile, comme Saül, était un gouvernement des hommes. Tout ça est en train de tomber. Seuls ceux qui ont été oints par la fiole d'huile, qui représente la volonté parfaite de Dieu, vont rester fermes et rester debout. Oui, Dieu rassemble.
ses prophètes, ses apôtres, ses élus, parce qu'il a décidé qu'il fait quelque chose de nouveau en 2014, mai 2014. Mais aussi, il replace ces gens aux portes des villes, aux portes des pays, aux portes des continents, là où il y a des endroits stratégiques, Dieu replace ses oints. Il les replace comme il a placé le prince dans Ézéchiel 44. Il place tout à nouveau ses appelés, ses oints, ses élus aux portes des villes et aux portes des continents. Un nouveau gouvernement spirituel se met en place. Gloire à Dieu. L'Église va enfin prendre sa place, son ordre, sa structure, et on fera la différence. Eh bien, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas et qui se servent de Dieu, tout système pyramidal, tout système babylonien va s'écrouler. Seuls ceux qui servent Dieu d'un cœur pur, ceux qui veulent bâtir un temple afin que Dieu vienne, cela, Dieu va les utiliser. En effet, Dieu va reprendre des gens qui ont connu la première gloire. Et ces personnes qui sont restées fidèles, qui ont su passer la transition, pourront connaître cette deuxième gloire. Il y a donc ces deux catégories de personnes. Comme Samuel, il a été utilisé pendant le temps de Saül, mais il a su passer la transition pour être utilisé aussi pendant le temps de David. Et Dieu donc va prendre certaines personnes qui ont connu la première gloire, qui sont restées fidèles, qui malgré les attaques sont restées debout, qui ont su laisser Dieu les transformer pour être prêts pour maintenant, pour les réveils qui viennent. 2014, cette année de gloire, où Dieu veut utiliser, faire des choses nouvelles. Ces gens-là, Dieu les rappelle. Ils vont connaître la première gloire, mais la deuxième gloire, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Mais aussi Dieu rassemble des gens que nous ne connaissons pas, des gens qui ont été préparés, des gens qui sont cachés encore, des gens qui se préparent, des gens qui peut-être ont été mis de côté, délaissés, abandonnés. Mais Dieu, lui, ne les a pas abandonnés. Toi qui écoutes ce message, tu es peut-être un de ceux que Dieu a choisi pour faire partie de son nouveau gouvernement spirituel. Oui, le lion de Juda rugit. Dieu rassemble ces personnes pour les mettre ensemble, pour bâtir quelque chose de nouveau. Oui, de Bruxelles, de la porte de Bruxelles, la capitale de l'Europe. Dieu veut utiliser des gens qui ont un cœur circoncis, comme en Deutéronome 36, Jérémie 4, des gens qui sont intègres et justes à cause de la fidélité, 1 Samuel 2, 35, des gens qui n'ont pas fléchi les joues et genoux devant Baal, des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et je déclare et je prophétise, comme en Agée 2, 9, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Oui, un nouveau gouvernement se met en place. Dieu est en train de bâtir une nouvelle armée, une belle armée, une forte armée. Il prend des hommes des quatre coins de toutes les nationalités et en Europe, il bâtit quelque chose de nouveau. En Afrique, il va faire quelque chose de nouveau. Aux États-Unis, dans le monde entier et en Israël, mes amis, du studio Todd Channel, dans cette émission, le lion de Juda rugit, le bishop Claudio Agostini vous prophétise, vous déclare que quelque chose se fait. Oui, comme dans la Bible, un petit nuage est en train d'arriver sous la forme d'une main. Mes amis, ce sont les ministères de Dieu,
les sept ministères qui sont en train de revenir sur l'Europe, sur le monde, qui sont en train de revenir aux portes des villes pour bénir l'Église, remettre de l'ordre, bâtir cette Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront vaincre contre elle. Mes amis, parce que nous savons qu'il sait que je sais, que je sais qu'il sait, que je sais que nous savons qu'il sait que je sais. Mais vous allez me dire, il sait quoi que je sais? Qu'il sait que je sais. Mes amis, le diable sait qu'il est vaincu. Alléluia! Le diable sait qu'il n'a aucun pouvoir, aucune autorité. Et Dieu a déclaré que 2014 est un nouveau temps, nouvelle saison, 2015, pour des années de gloire. Il sait que je sais qu'il sait que je sais qu'un nouveau réveil est en train d'arriver, que Dieu va utiliser ses rois, ses prophètes, ses élus de la porte de Bruxelles. De cette émission, le lion de Juda rugit. Oui, il rugit et il rugit encore. Prends courage, toi qui écoutes cette émission. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Toi qui aimes le Seigneur, je prophétise sur ta vie. Reprends courage, reprends force. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a encore des hommes, des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a quelque chose de puissant qui se prépare. Dieu secoue, nettoie, renverse comme Jérémie. Je t'ai appelé pour abattre, pour déchirer, pour détruire, mais aussi pour bâtir et planter quelque chose de nouveau. Parce que Dieu ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il a dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Il a dit, je fais quelque chose de nouveau et que celui qui m'adore, m'adore en esprit et en vérité. Il rentre dans les temples, il renverse les tables des voleurs, des trafiquants, des faux ouvriers. Et il rappelle, il restaure, il oint, il bénit ses élus, ses oints, ses bien-aimés. Dans le monde entier, il y a de la joie de servir le Seigneur au nom de Jésus. Toi qui es découragé, je prie pour toi maintenant afin que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Je déclare la bénédiction. Toi qui as été critiqué, bafoué, je prophétise. Lève-toi, prends ton lit, marche. Au nom de Jésus, toi qui es malade, je te déclare, sois guéri. Si quelqu'un n'a pas encore accepté le Seigneur, là où tu te trouves, accepte Jésus, repends-toi de tes péchés et reçois-le dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Repends-toi, accepte-le et crois qu'il est le sauveur du monde. De Todd Chanel, vous qui regardez cette émission, n'hésitez pas sur Todd Chanel. .org ou sur toddchanel.net, vous verrez nos émissions. Nouvelle chaîne de télévision vidéo qui commence durant ce mois de mai 2014. Visitez Facebook Bishop Claudio, visitez Facebook Centre de Jubilé et là vous aurez tous les renseignements. Que Dieu vous bénisse. À nouveau, gouvernement spirituel reprend place. Prends courage, Église du Seigneur. Ne te décourage pas. Il ne t'a pas abandonné. Il est là. N'oublie jamais. Il a dit, je bâtirai mon Église. C'est son Église. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui décide. C'est lui le roi des rois. Et tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Dieu vivant, le seul sauveur, le seul Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Si vous voulez soutenir cette émission, allez sur notre site web, toddchanel.net.org. Vous cliquez sur ce que vous recherchez, toute notre équipe. De Bruxelles, de la porte de Bruxelles. Nous sommes à la porte de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse.
bénisse moi et toute notre équipe dans ce magnifique jardin. Recevez le shalom de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Je prophétise maintenant. Le temps de la 17 se termine. Tu vas bientôt sortir de ton désert. Je déclare que le temps de ta sortie du tunnel est proche, elle arrive, elle est maintenant. Le temps où tu vas voir clair est là. Dieu met son puzzle en place et l'image totale apparaît maintenant. Tout s'éclaire, tout devient clair, tout devient net. Il n'y aura plus de doute dans ta vie, plus de brouillard de la porte de Bruxelles, de Todd Chanel. Je te bénis au nom de Jésus. Le Bishop Claudio Agostini vous salue dans les quatre coins du monde. Recevez l'amour du Père, la paix du Seigneur et la consolation que donne le Saint-Esprit. Soyez bénis. À bientôt. Shalom.